Vous regardez Pas de panique en cuisine. Astuce du jour. Que vous receviez des amis à souper ou que ce soit un simple repas de semaine, voici quelques conseils à suivre pour dresser votre table. Vous commencez d'abord par placer les napperons. Ils vous permettront de venir délimiter la place de chacun. Sur votre table, il est toujours plus facile de jouer avec les contrastes. Si vous utilisez des napperons foncés, vous pouvez choisir de la vaisselle plus pâle pour bien la distinguer. Selon l'étiquette, les fourchettes sont déposées à gauche de l'assiette. Les couteaux à droite, suivi de la cuillère à soupe. La petite cuillère est placée à l'horizontale en haut de l'assiette. L'assiette à pain est déposée à gauche de l'assiette et les verres en haut à droite. Il est préférable d'utiliser des verres à vin sans pied pour éviter les incidents. Lors du repas, vous pouvez privilégier un service directement à l'assiette plutôt que des plats au centre de la table pour limiter les mouvements et les dégâts. Les hôtes peuvent mentionner aux invités à quel endroit se trouve chaque aliment dans l'assiette. Par exemple, l'accompagnement se trouve entre midi et 3 heures, la viande se trouve à 6 heures et le féculent entre 9 heures et midi. Votre table est maintenant prête pour recevoir vos invités. C'était l'astuce du jour.